Il y a Crime qui revient, à quoi on peut s'attendre ? On peut s'attendre à un Crime qui soit dans la continuité, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas changer pour changer. Aujourd'hui, Crime est une émission qui marche, aujourd'hui la plus forte audience de la chaîne du côté des magazines, donc on va continuer sur cette voie avec ces émissions qui sont faites en province. Moi, je vais continuer à partir tous les week-ends en province pour faire ces plateaux qui sont dans l'émission. On va également lancer le Crime en direct. On l'avait testé au mois de juin, ça a été un vrai succès. Donc aujourd'hui, on sera à l'antenne une fois par mois, en direct, en plateau, avec des familles des victimes, pour essayer de résoudre et de faire avancer certains dossiers qui sont aujourd'hui bloqués. L'autre projet avec la chaîne, c'est Face à France, qu'on va lancer dans les prochaines semaines. Une émission de deuxième partie de soirée, un talk show qui sera en direct avec un panel de Français qui sera face aux gens qui font l'actualité. C'est une émission qui existait déjà dans les années 80 avec Ardisson et Barma. Et voilà, on a repris ce concept, on l'a modernisé. Et vous allez voir, je crois vraiment que c'est une émission qui va décoiffer.